Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante, cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, François Fréchette avec nous. Salut François. Bonjour Simon. Juste peut-être te présenter un peu, toi, t'es ouvrier dans la région de Québec? Oui, je travaille dans une assemblée dans la région de Québec et je suis impliqué, comme tu sais bien, avec l'Heure de la Bonne Nouvelle. C'est une autre émission qui présente l'Évangile et puis je suis honoré de faire partie de votre équipe aussi, de venir comme ça faire quelques émissions à chaque année. Le plaisir est pour nous. François, il y a plusieurs choses que les gens croient. On s'inclut là-dedans, à bien des niveaux, qu'on s'est fait... C'est comme ça qu'on croit, puis c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça, à cause de la culture, à cause de l'environnement dans lequel on a grandi. Et il y a des choses qu'on aime se faire croire, il y a des mensonges qu'on se fait dire, donc on croit. Et le thème des émissions, pour quelques émissions ensemble, c'est ben ça c'est vrai, ça c'est faux. Bref, on va démystifier un peu certains mythes et certaines choses que les gens pourraient croire que c'est totalement à l'encontre de la Bible. Et aujourd'hui, c'est faut faire des bonnes actions pour pouvoir aller au ciel. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ça? C'est ça. Donc le thème vérité-mensonge et cette pensée-là... Moi, quand j'étais jeune chrétien, après avoir été converti, je pensais que c'était typiquement nos amis catholiques qui croyaient qu'il fallait faire des bonnes œuvres pour aller au ciel. Mm-hmm. C'est toujours, si tu poses une question à quelqu'un dans la religion catholique, ils vont généralement te répondre, bien, tu sais, il faut travailler pour notre salut, bon, OK. Alors, à un moment donné, j'ai écouté un reportage, toi, de l'ancienne Égypte au niveau religieux, les croyances en relation avec la mort. Et là, il y avait littéralement une histoire avec une balance de bonnes œuvres. Si les bonnes œuvres gagnaient sur les fautes, les péchés, bien, je veux dire, il y avait comme une espérance qui était liée à ça. Alors, j'ai réalisé que c'est pas typiquement dans l'Église catholique, même la théologie catholique n'est même pas là. Mais les gens, en général, ont forte tendance, parce que c'est justement inné en nous, de croire que si on fait assez de bonnes œuvres, on va gagner la faveur de Dieu. Alors, il faut se laver avant de se présenter à Dieu. Lorsque l'Évangile, Jésus dit « viens à moi tel que tu es », puis comme quelqu'un que j'aime beaucoup disait, « Dieu nous aime tel qu'on est, mais il nous aime bien trop pour nous laisser tel qu'on est ». Alors oui, il y a un changement qui va se produire si on se convertit, mais on pense tout le monde, c'est inné vraiment, qu'on peut, en faisant des bonnes choses, qu'on va gagner la faveur de Dieu, puis finalement, on va aller au ciel. Donc, on décortique ça un instant. C'est comme si nous pouvions se faire un pont jusqu'à Dieu. Exactement. Avec des bonnes œuvres. Donc, la fabrique, les matériaux, ce qui est l'essence, l'ADN de ce pont-là, c'est ce que moi, j'apporte à la table. Donc, si j'apporte plus de bons que de mauvais, j'apporte plus de matériaux, donc je peux me rendre jusqu'au ciel. Tu as parlé de l'Ancienne Égypte, tu as parlé de l'Église catholique. J'aimerais dire, la grande totalité des religions mondiales aujourd'hui et dans le passé, c'est sous ce même principe-là. Tout à fait. C'est que je pèse mes dieux avec des sacrifices que je fais et à cause que je fais assez d'œuvres, peu importe c'est quoi les œuvres, parce que ça peut changer d'une religion à une autre, bien, j'apaise les dieux ou je vais atteindre un niveau supérieur de spiritualité. Donc, c'est sur le même principe. Même les religions nouvel-âgistes et même, écoutez bien, la réincarnation. Parce que la réincarnation, selon le concept, je vais dire nord-américain, parce que c'est pas tout à fait le plan d'origine de les pays où ils croient à la réincarnation, mais la réincarnation, c'est le même principe. C'est que si tu vis une vie quand même pas pire, bien, tu vas accéder à un niveau supérieur dans une autre vie, et ainsi de suite, pour arriver finalement à ton but. Alors, est-ce que c'est une religion basée ou une philosophie uniquement basée sur le principe des bonnes œuvres? C'est oui la réponse. Et ce que la Bible dit, c'est pas tellement plaisant, c'est exactement le contraire. C'est un mensonge selon ce que la Bible dit. C'est un mensonge. Donc, parce que le point de départ, c'est que je suis une personne capable d'apporter à la table quelque chose de bon. La Bible dit non, tu n'es pas capable d'apporter quelque chose de bon parce qu'a priori, tu n'es pas une bonne personne, tu n'es pas bon, tu n'es pas propice à Dieu. Ici, j'ai deux textes que j'aimerais ça qu'on puisse explorer. J'aimerais ça que tu puisses tourner, s'il te plaît, dans Ésaïe chapitre 64. Et moi, je vais lire dans Romains au chapitre 3.
ici un passage qui nous remet un peu à la place, à notre place, tous et chacun, au chapitre 3 de Romains, au verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu même dit, il n'y en a aucun qui fait le bien. Donc, chaque œuvre que j'apporte, elles sont apportées avec des mains qui sont souillées. Peut-être nous lire le verset 5 de Ésaïe 64. Ésaïe 64, verset 5, je te lis ça. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il est souillé en rouge, en bas. Donc, l'idée ici, c'est que nous sommes... Moi, chez nous, quand j'étais plus jeune, moi, j'aimais aller faire du vélo dans le bois, plein de boîtes. J'étais un vrai petit gars, plein de boîtes. J'aimais ça arriver chez nous. Puis plus qu'il y avait de boîtes, mieux que c'était. Ma mère me disait toujours que je te vois rentrer dans la maison de même. Donc, c'était à l'extérieur, tu te déshabilles. Puis moi, je me souviens très bien d'être plein de boîtes. As-tu déjà essayé d'enlever de la boîte avec des mains pleines de boîtes? C'est comme impossible. Et c'était impossible dans le temps, et c'est encore aujourd'hui. Donc, ça prenait une eau extérieure, la hose que ma mère me prenait. Et là, avant que je puisse rentrer dans la maison, il fallait que je me lave. Et ce que le passage, ce qu'on est en train de nous dire ici, ce que Dieu est en train de dire aux gens, c'est que c'est pas une bonne nouvelle. T'es plein de boîtes. Ta justice est comme un vêtement souillé. Donc, ce que tu apportes à la table, ce n'est que de la boîte. Que tu fasses une bonne action avec des mains de boîte, c'est plein de boîtes, c'est souillé. C'est pour ça que ça nous dit, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu n'est pas en train de dire que tout ce qu'on fait est moralement mauvais. Mais lorsqu'on le présente à Dieu, lorsqu'on essaie de faire un pont jusqu'à Dieu, bien, notre pont est souillé. Et si Dieu est qui dit qu'il est, est-ce qu'il pourrait nous laisser rentrer chez eux avec de la boîte, lui qui nous dit qu'il ne peut même pas voir le péché? Mal, hein? Écoute, moi, je pense, j'imagine ton illustration, là, je l'utilise de temps à autre, et j'imagine, moi, ma mère à quatre pattes qui vient de finir, tu sais, c'est comme ça que ça se faisait, laver le plancher, le cirer. C'est immaculé, oui. C'est ça. Puis toi, t'arrives avec ta boîte, tu vas-tu rentrer? Mais ta mère, elle t'aime. Mais tu peux pas rentrer. Non. Alors, c'est ça la vérité. Oui, c'est ça la vérité. Donc, on va aller à la pause, François, bien, on va continuer à développer là-dessus sur est-ce que mes bonnes œuvres peuvent de quelconque façon me rendre propice à Dieu, me rendre juste, me faire un pont jusqu'à Dieu, peu importe la religion qu'on est, là. Est-ce qu'on peut? Bref, mais ça, après la pause, on va répondre à cette question-là. On va continuer d'y répondre. Reste avec nous. C'est Simon Ouellet de l'émission La Parole Vivante. Joignez-vous à moi pour un magnifique voyage en Israël. Ensemble, du 2 au 15 novembre, nous marcherons sur les traces du Seigneur Jésus. Nous ferons un tour complet des endroits clés. Nous visiterons Jérusalem, la Galilée, le lac Tibériade, Capernaum, le Mont des Béatitudes, la Mer Morte et sans oublier une incursion à Petra. Ce voyage changera certainement votre compréhension des Écritures. C'est une invitation à ne pas manquer. À bientôt! Bonjour à vous. Je vous ramène dans l'illustration que j'ai donnée juste avant la pause. Donc, François, j'étais un petit gars. Je viens d'avoir du fun. J'ai fait ce que je voulais. J'allais dans le bois, puis il y avait un trou de boîte. J'aimais ça, la boîte. On y va. J'arrive chez nous. Moi, je veux rentrer dans la maison. Je veux rentrer dans la maison et je le sais que ma mère a préparé un bon souper, que tout est extraordinaire. J'ai un foyer qui est aimant. Mais je sais du même coup que je ne peux pas rentrer de même. Donc, j'essaie de me laver. Je ne peux pas enlever la boîte que j'ai sur moi parce que j'ai les mains pleines de boîtes. Un peu comme on disait que la parole de Dieu nous dit que nous sommes souillés. Ce qu'on apporte de mieux, c'est la souillure, même s'il y a quelque chose de bon. Donc, j'ai un sérieux problème. Mais tantôt, tu as parlé, tu as dit, oui, mais ta mère t'aime. Comment l'amour de Dieu rentre en relation avec ma souillure? Bien, en fait, c'est intéressant. Ce sont deux vérités, OK? La vérité que tu es sale puis que tu ne peux pas entrer parce que ta mère vient de finaliser le beau plancher ciré à comme on dit, à mitaine. Et le fait que ta mère t'aime. Tu sais, si moi, je me pointe, je suis le petit garçon tout sale, puis toi, t'es ma mère, puis je dis, écoute, maman, est-ce que tu m'aimes pas? Tu veux pas que je rentre? Non, c'est pas le point. C'est que ta mère t'aime, mais il faut une solution pour que tu puisses entrer propre.
parce qu'elle veut pas. Tu sais, ça, la ouais. Le la plancher, ouais. Non, c'est ça. Le plancher propre est un peu l'illustration pour moi du ciel qui est pur, qui est parfait. Alors, on peut pas entrer au ciel, comme on dit, à marcher de même. À moins que Dieu sorte dehors et vienne me laver. Ben là, c'est ça. Là. Et là, on parle de l'incarnation. Jésus-Christ, Dieu, il est venu dans les ténèbres, lui qui est lumière, pour pouvoir venir nous purifier, pour pouvoir venir nous laver. Mm. Et souvent, on va penser qu'on doit mériter notre ciel avec des bonnes actions. J'aimerais lire un passage qui détruit ce mythe-là, ce mensonge-là. J'aimerais ça qu'on puisse lire la vérité concernant est-ce que les bonnes actions peuvent nous amener au ciel. Donc, on est dans Éphésiens au chapitre 2. Je vais lire le verset 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » François, ça peut être plus clair. C'est plus clair que ça, Simon. C'est fou. Mais le problème avec ce texte-là, c'est comme on le disait tantôt, c'est parce que c'est inné en nous qu'on pense qu'on peut gagner notre ciel. Puis le problème, c'est qu'on mêle des choses. On mêle la grâce de Dieu qui donne et on mêle ce que la Bible aussi clairement établit comme des récompenses pour ceux qui sont à lui. Et les récompenses que Dieu veut donner à ses enfants, ceux qui lui appartiennent, ceux qui se sont convertis, c'est tout à fait une autre affaire. On entre gratuitement par le ciel, mais Dieu, si on le sert selon le plan qu'il a établi pour chaque individu, parce que le verset, si on le continue, c'est marqué qu'il y a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le texte exactement qui suit le texte qu'on vient de lire. Alors, Dieu nous sauve, puis il y a un plan pour nos vies, pour des bonnes œuvres, des choses, qu'est-ce qu'on est en train de faire, on peut le qualifier de bonnes œuvres. Alors, Dieu nous sauve pour ça, puis il veut qu'on le fasse. Et en relation avec la fidélité que le croyant, le chrétien né de nouveau a eue, il va avoir des récompenses. Alors, mais il ne faut pas mêler ces récompenses-là avec le prix que Dieu nous offre, lui-même a payé lui-même sur la croix pour nous faire entrer. Alors, Dieu a littéralement sorti, comme tu dis, dehors, avec la hausse, mais ce n'est pas de l'eau, c'est le prix du sang de Christ, c'est-à-dire la mort du Christ à la croix, qui fait en sorte que Dieu peut nous recevoir dans son ciel, dans sa maison, où tout est immaculé, tout est beau, tout est propre, tout est parfait. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quel beau verset. Et là, tu viens d'expliquer quelque chose de grandiose. Pour rentrer dans la maison, tu dois être lavé. Et lorsque tu es dans la maison, oui, tu peux travailler, tu peux faire la vaisselle, mais tu es dans la maison, tu as été purifié. Voilà. Il y a une grosse différence. Mais ça, tu ne gagnes pas ton ciel avec ça. Tu fais juste vivre comme quelqu'un qui vit dans la maison. Tu participes à la vie de la maison parce que tu as été purifié. Donc là, il faut, par exemple, y aller en ordre chronologique, il faut rentrer dans la maison. Ouais. Ouais. Et là, j'aime... Écoute, c'est une illustration qu'on va utiliser en masse aujourd'hui, là. C'est un gros mensonge de penser que tu rentres dans la maison puis tu dis là je vais commencer, je vais vous montrer que je suis capable de vivre chez vous. Ouais. Mais et d'être sale. Quel mensonge? Imagine, mettons, on regarde l'illustration, OK? Et là, il y a ton frère qui a joué avec toi dans la boîte et pendant que ta mère est à la porte d'en avant puis dit écoute, tu peux pas rentrer, mon beau Simon, ton frère, lui, il décide de rentrer en arrière. Puis il rentre, puis là, tu le vois, puis il commence à faire la vaisselle. Mais tout ce qu'il fait, il salit plutôt que nettoyer. Alors, l'idée de servir Dieu sans avoir été purifié, c'est quelque chose, c'est une incongruité, ça ne marche pas. C'est pas ça le plan de Dieu. Dieu veut nous purifier et nous utiliser ensuite. Puis ne pas confondre cette gratuité pour l'entrée, parce que c'est lui qui a tout fait. Puis après ça, il nous demande, en reconnaissance, de travailler pour lui, d'être à son service. Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu nous a sauvés pour des bonnes œuvres, la Bible dit. Et là, c'est normal que peut-être certaines personnes à la maison se disent « Oh, j'aime pas vraiment cette idée-là. » Parce qu'on aime, encore une fois, on aime être participant. Dieu dit « Tu peux pas rentrer. » La seule façon que tu peux rentrer, c'est que j'ai à ta rencontre. Et la preuve que c'est normal que les gens se sentent mal, quand Jésus est venu et il a dit
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu peux juste rentrer chez nous par moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah non, 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 non. Toi, tu nous déranges, tu viens chambouler nos façons de penser. Ils l'ont crucifié. Parce que justement, il était exclusif. Il était en train de leur dire, vous croyez en un mensonge. Si vous pensez que votre religion, vos bonnes œuvres, peu importe, vous pouvez rentrer au ciel, ça ne fonctionne pas. C'est un mensonge. Il leur a dit la vérité. C'est moi la vérité. Jésus-Christ. Et ce que je vais faire tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses venir à mon Père. Est-ce que tu y crois? Et clairement, ils ont dit non parce qu'ils l'ont crucifié. Et vous? Qu'est-ce que vous faites avec cette grande vérité-là que Jésus dit? Assez même pas, tu peux pas. Tout ce que tu peux, c'est croire en moi. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est croire en moi. Prenez la pause pour réfléchir justement. Vous, là, vous rentrez dans la présence de Dieu à votre mort sur quelle base? La base de vos bonnes actions, de votre religion, ou parce que vous allez dire à Dieu, Jésus a tout payé. Jésus m'a lavé de mes péchés. Jésus, je suis pardonné, je suis ton enfant à cause de Jésus et Jésus seul. Sur quelle base Dieu va vous laisser rentrer? Prenez la pause pour réfléchir et on va développer là-dessus. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. François. C'est-tu mon nom? Oui, c'est ton nom. François Fréchette. Quand on y pense un instant, si je peux me construire un pont jusqu'à Dieu, comment je peux-tu m'assurer que le pont est construit jusqu'au bout? Quand est-ce que c'est assez? Quand est-ce que j'ai fait assez de bonnes œuvres? Oui. Bien, ça, là, tu vois, là, ça, c'est une raison pour laquelle ceux qui pensent ça sont incapables de dire qu'ils sont sauvés. Pourquoi? Mais parce qu'ils se fient sur leur propre performance, sur leurs propres œuvres, et ça serait prétentieux de leur part de dire... Moi, je suis en voiture, écoute, je suis au ciel, c'est sûr, parce que j'en ai fait tellement. Check-moi aller. Exact. Fait que, quand est-ce qu'on en a fait assez? Bien, moi, je trouve qu'il y a une belle illustration pour ceux qui veulent aller plus loin. Dans le livre de la Genèse, chapitre 32-33, on a l'histoire de Jacob qui avait été bien pas correct avec son frère Ésaü. Et puis pendant, je pense, c'est une vingtaine d'années, il l'a pas vu, puis il était convaincu que Ésaü voulait le tuer. En fait, il avait entendu vraiment le fait qu'il voulait le tuer. À l'époque, quand il l'a eu, du trouble, là, il était enragé, il voulait le tuer. Alors, Jacob, il a vécu dans le stress pendant ces 20 ans-là, grosso modo, si ma mémoire est bonne. Et là, à un moment donné, il entend dire que son frère Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. Il capote tellement. Là, il dit, écoute, je ne sais plus quoi faire. Alors là, il décide d'envoyer une délégation devant lui et donner des cadeaux à Ésaü, son frère. Il l'a fait une fois, je pense, trois fois. Alors, ses enfants, sa femme, tout pour apaiser Ésaü. Mais toutes les fois qu'il a envoyé quelqu'un, il n'y avait aucune idée si Ésaü allait être bien disposé. Tu sais, il dit, Jacob, il m'envoie des cadeaux. Il est-tu fin? Ben, tu penses-tu qu'il va m'acheter avec des cadeaux? Avec tout ce qu'il a fait pour moi. Exactement. Fait qu'il savait pas. Jusqu'au jour où il rencontre son frère, effectivement. Puis là, son frère, il dit, c'est quoi ces cadeaux-là? Tu sais, regarde, il est prêt de lui pardonner. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été avec lui, devant lui, puis qu'il n'a pas entendu de sa propre voix qu'il acceptait, il était dans, un stress aigu pendant toutes ces années-là, et particulièrement quand il a su qu'il venait à sa rencontre. Alors, tous ceux qui se fient sur leurs bonnes œuvres ne peuvent avoir aucune espèce d'assurance. C'est impossible. Et l'angoisse qui vient avec
l'idée « est-ce que j'en ai fait assez? » elle est valide. Parce bien, que tu peux jamais le savoir si tu n'en as fait assez. Et là, donc, tu regardes dans le miroir puis tu dis « est-ce que moi, j'ai été assez suffisamment bon dans ma vie? Un bon mari, un bon père, un bon ci, une bonne ça. Est-ce que je n'ai fait assez pour pouvoir apaiser Dieu, pour pouvoir être propice devant Dieu? » Écoute, Simon, je suis convaincu que tous ceux qui ont des enfants, moi j'ai des enfants qui, le plus vieux a passé 40 ans, là, écoute, et des hommes de mon âge à qui je parle, puis que je leur dis, écoute, toi, là, comme père, comme mari, est-ce que tu trouves que tu as performé, tu as été un bon mari, puis un bon père? Et moi, là, moi, te le dire, je peux pas dire oui. Alors, si toi, tu te satisfais même pas à tes standards quand même relativement poches, tu penses-tu que Dieu qui est juste, qui est parfait, que tu vas le satisfaire si toi, tu n'es même pas satisfait de ta performance? Alors, tu oublies ça. Les bonnes œuvres, ceux qui pratiquent les bonnes œuvres sont de plus en plus troublés avec le temps et de plus en plus troublés face à la mort parce qu'ils savent dans le fond d'eux-mêmes qu'ils n'en ont pas fait assez, puis ils ont raison. Mais s'ils se tournent vers Dieu puis qu'ils réalisent que Christ a tout fait et que c'est pas sur la base des bonnes œuvres, mais sur la base de l'œuvre parfaite que Christ a accomplie sur la croix, donnant sa vie, nous purifiant de tout péché, nous donnant la vie éternelle juste en échange de notre foi, bien là, il n'y a plus de raison de s'inquiéter. Et moi, je suis dans la paix parfaite par rapport à l'éternité. Et il n'y a pas de plus grande nouvelle. Je ramène un peu, je résume ce que tu viens de dire. Moi, je me présente devant Dieu. J'ai deux choix. Est-ce que je me présente avec mon panier plein de bonnes œuvres? Je peux m'avoir fait applaudir. Je peux être la personne la plus altruiste qui ne peut pas avoir. J'ai donné tous mes biens et tout ça. J'arrive. Est-ce que je veux me présenter devant Dieu avec mon bol de plein d'œuvres et dire, regarde comment je t'ai servi avec mes œuvres? Ou te dire, te présenter devant Dieu et dire, j'ai rien à t'offrir. Je ne veux pas rentrer au ciel avec ce que j'ai pu faire sur terre. La seule raison pourquoi je pourrais rentrer au ciel, c'est parce que Jésus-Christ t'a envoyé Jésus sauver des pécheurs comme moi. Jésus est venu mourir sur une croix justement parce que moi, je n'étais pas capable de faire un pont. Donc, moi, quand je vais me présenter devant Dieu, moi aussi, j'ai la peine de mourir aujourd'hui. J'ai la peine de mourir parce que quand je vais me présenter devant Dieu, puis si je me fais demander pourquoi je te laisserais rentrer, je vais dire... Bien, t'as pas de raison sinon que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Donc, je vais me présenter devant Dieu avec les mérites de Jésus et non pas les miens. Le mensonge, c'est de croire qu'on peut se faire un pont jusqu'à Dieu. La vérité, c'est que Dieu nous fait grâce, nous fait le don de la foi, le don de Jésus-Christ, le don du pardon des péchés. Et la vérité, c'est que je dois juste m'approprier ce don-là. Et j'aimerais vous interpeller à la maison. Est-ce que vous vous êtes approprié ce don-là? Dieu nous prouve son amour. Alors, lorsqu'on est encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le prend, ce cadeau-là? Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Marc Cahill. Marc Cahill a pris les Écritures et trace justement ce chemin-là, ce chemin-là de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on prenne cette grâce-là que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Qu'on arrête de se faire croire l'idée qu'on est des bonnes personnes, qu'on en a fait assez, qu'on peut impressionner Dieu, qu'il va nous laisser rentrer. Marc Cahill dresse par les Écritures justement ce plan-là extraordinaire. Et après la pause, justement, on va finir l'émission peut-être en vous parlant, en vous montrant par les Écritures comment vous pouvez aujourd'hui même avoir cette assurance-là, cette paix-là que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez être le bienvenu au ciel. Restez avec nous.
Laissez-moi vous poser cette question-là. Est-ce que le Seigneur est en train de vous parler? Est-ce qu'il est en train de mettre sur votre cœur cette idée-là que vous avez besoin peut-être de vous repentir puis de dire à Jésus de vous sauver? François, il y a une histoire dans la Bible où est-ce qu'il y avait quelqu'un de près, justement, que Dieu l'avait travaillé pour pouvoir le rencontrer. C'est un dénommé Corneille, c'est un drôle de nom pour nous, mais Corneille, on lit ça dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Et c'est vraiment intéressant parce que Corneille, c'est un homme vraiment qui était religieux, qui donnait ses aumônes, tu sais, c'était l'homme idéal, mais Corneille avait besoin d'être sauvé, puis on le voit, là, l'intervention qui a suivi, il a reçu l'Évangile et qu'il a reçu le pardon de ses péchés, la vie éternelle. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant dans Corneille, c'est marqué « Dieu a vu tes aumônes, a entendu tes prières ». Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent, c'est des gens religieux, puis là, ils réalisent qu'ils ont tout fait ça comme pour rien parce qu'ils n'étaient pas encore rentrés dans la maison, pour prendre notre illustration de tantôt, de telle sorte qu'ils pensent qu'ils ont tout fait ça pour rien. Bien, moi, je pense que ce texte-là nous encourage par rapport au fait que ceux qui ont prié, ceux qui ont fait une vie de religieuse, pour ainsi dire, et Dieu est sensible à ça parce que souvent, ces gens-là sont dans une recherche de Dieu en quelque part et où Dieu les cherche, les trouve. Ouais. Alors, ces gens-là, il ne faut pas se décourager, il faut qu'ils viennent à l'Évangile puis ils reconnaissent que, écoute, mes bonnes œuvres, c'est correct, mais ce n'est pas ça qui va me sauver. Et puis moi, je pense souvent à Mère Teresa, tu sais, Mère Teresa, on connaît son histoire, comment elle a fait des bonnes œuvres. Et moi, je dis sans aucune gêne, Mère Teresa est au ciel ou en enfer? Puis là, je dis, hey, en enfer. Oui, oui, écoute bien. Si Mère Teresa s'est fiée et confiée dans ce qu'elle avait fait pour aller au ciel, elle est perdue. Si Mère Teresa a réalisé qu'elle avait besoin d'un sauveur et que ses bonnes œuvres sont peut-être en réponse à ce salut gratuit que Dieu lui a donné, elle est au ciel. Mais c'est grave, c'est ce que je dis là. Je ne suis pas en train de dire, hey, où, là? C'est pas nous qui jugeons de ça. Ça, c'est pas mon problème. Mais ce que la Bible dit, c'est clair, c'est par la foi seule dans le Christ mort pour tes péchés que Dieu peut ouvrir la porte du ciel. Romains chapitre 10, verset 9, nous dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, pardonné. » Accueilli dans la présence de Dieu pour l'éternité. Si tu crois dans ton cœur, il n'y a aucune action, il n'y a pas de religion. Si tu crois dans ton cœur qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être pardonné, d'être lavé de tes péchés, et tu tournes vers Jésus puis tu dis, sauve-moi, tu es la seule solution. La Bible, la vérité nous dit, tu seras sauvé. Merci beaucoup, François. Merci. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.